Mon nom est Venantius Fortunatus. Je suis moine, homme de prière, mais aussi poète. J'étais venu d'Italie en pèlerinage au célèbre monastère de Sainte Radegonde. Radegonde était reine des Francs, son mari, maître de toute la Gaule. Pourtant, elle s'était retirée du monde pour fonder son propre monastère, afin d'y vivre comme la plus humble des servantes de Dieu. Un jour, Romulf le Gaulois et son jeune frère Albin ramenèrent au monastère une petite fille vivant parmi les loups. Elle s'appelait Vanda. Après des années de bonheur, vint ce terrible hiver où le malin s'acharna sur les hommes. Succédant à la famine, à la peste, les loups envahirent Poitiers. Relevez-vous, je ne suis pas une sainte. Tu es une sainte, et Poitiers a besoin d'un miracle. Le miracle, c'est Vanda, l'enfant des loups, qui allait l'accomplir. Si tu savais comme tu m'as manqué, après tout ce temps, je savais que tu m'oublierais jamais. C'est moi qui avais convaincu Radegonde de l'envoyer à Poitiers. Mais quand elle revint, hagarde, épouvantée, après la nuit où elle avait conduit les loups hors de la ville, et où sa mère, Louve, avait trouvé la mort, j'en demandais pardon au Seigneur de toute mon âme. Mais le diable, l'ennemi, le diviseur, jaloux des biens du genre humain, ne cessa de nous persécuter. La princesse Clotilde, escortée d'une bande de guerriers sans foi ni loi, arriva au monastère pour y prendre le voile contre son gré. Ma place, cette paillasse, ma fille. Je ne suis pas votre fille. Je suis fille de roi. Et puis, au matin du 13 août 587, celle qui m'avait honoré de sa si douce affection, celle à qui j'avais consacré ma vie, ô tant aimée et tant chérie, Radegonde, cessa de vivre sur cette terre, laissant la communauté de ses filles à jamais orpheline. Et le monastère de la Sainte Croix sans défense, bientôt en proie au plus grand des sacrilèges. Oui! Arrêtez! Arrêtez! Ah! Je t'ordonne de le lâcher! Un jour comme aujourd'hui, Seigneur! Sorcière, sorcière! Où qu'est-ce que...
Wanda! C'est moi, c'est Albin. Écarte-toi. Je veux prévenir Romulus, Wanda. J'ai envoyé un esclave. Je vais tuer le beau-vert, Albin. Mais Romulus va te tirer de là. Puis on va partir en forêt ensemble. Et puis on ira en Espagne avec Moïse. Tu oublieras tout ça, Wanda. Je vais sortir d'ici. Mais je n'irai pas dans la forêt. Je n'irai pas en Espagne. Je vais tuer le beau-vert et je me tuerai ensuite sur la tombe de ma mère Radegonde. Ne dis pas ça, Wanda. Le beau-vert est un monstre. Tu vas m'aider à la tuer. Mais tu es folle. C'est moi qui vais t'aider. Toi? Si je voulais, nous serions déjà dehors. Qu'est-ce que tu dis? J'ai des hommes autour du monastère. Ils sont à moi. Je les paie. Je n'ai qu'un geste à faire. Ne l'écoute pas, Wanda. Je t'en supplie. Radegonde est bien morte. Les choses vont bouger, mes hommes. Il n'y en a plus pour longtemps à courir la forêt comme des gueux. Mais il serait temps que ça bouge, Corbon. Tu nous as promis de l'argent, des femmes, les villas des riches. Et qu'est-ce qu'on a eu? Les fossés des champs pour litière et l'eau du ciel pour boisson. Mon épée est rouillée tellement j'en ai bu. Et c'est mauvais pour un guerrier. Une épée qui rouille. Alors moi, si ça se met pas à bouger, faudra que j'aille voir ailleurs. Tu as tout à fait raison. Vous n'êtes pas de son avis, vous autres? Tu as raison. C'est la pure vérité, Ratier. Sauf que cette vérité-là, c'est à moi à la dire. Pas vrai, vous autres? Bravo! Qu'est-ce qui se passe, ma mère? C'est plutôt à moi de vous demander ça. On dirait que vous sortez de voir le diable en personne. J'ai vu le diable en personne. Et vous n'allez pas tarder à le voir ici, entre le mur de ce monastère. Qu'est-ce que vous dites? J'ai dit qu'il faut relâcher Clotilde. Il faut relâcher Clotilde avant qu'il ne soit trop tard. Mais je vais la relâcher. Alors, pourquoi tout ce... Parce que Clotilde est une novice comme les autres. Qu'elle observera dorénavant la règle, comme les autres. Qu'elle dormira au dortoir, comme les autres. Tu peux les sortir du cachot, Glodocinde, l'une et l'autre. L'office du matin va commencer. Et je les veux toutes les deux, à la chapelle. En outre, j'ordonne 3 jours de jeûne. 3 jours de jeûne et de prière. Nous avons des âmes à sauver. L'âme des morts et celle de certains vivants. In terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens. Domine... Qu'est-ce qui se passe encore? Clotilde, Clotosa, vous allez me répondre. Qu'est-ce qui se passe? C'est elle, ma mère. J'essaie de... Elle veut pas, ma mère.
Qu'est-ce qu'elle ne veut pas? Elle ne veut pas se mettre à genoux, ma mère. Moi, je me Crotilde. Lâche-la, idiote. À genoux, Crotilde. Tu vas te mettre à genoux, Crotilde. Traînu autour du diable, sale putain. Qui ne veut pas s'agenouiller dans le temple du Seigneur. Je vais te corriger. Je vais te faire cracher ton venin. Tu vas comprendre, saleté. Saleté. Oh. Arrêtez, ma mère. Je vous en prie. Au nom de notre Seigneur vénéré, je vous en prie, calmez-vous. Venez. Au nom de Saint-Gilles-de-Gaulle, de la Vergine Santa Maria, calmatevi, ma mère. Ma mère. Oh. Non, Crotilde. Ce n'est rien. Hey, c'est-il pas par là? Pourquoi t'es venu me chercher? Tu m'as dit qu'il fallait partir sans plus tarder. Alors moi, je décide par où passer. Nous allons partir d'ici. Toutes celles qu'ils veulent, je les emmène avec moi. J'ai de l'argent. Une troupe à mes ordres. Qui désire me suivre? Moi. Moi aussi. Je peux venir? On va prévenir les autres! Ira mieux bientôt. C'est un grand bouleversement, la mort de notre Radegonde. Je parlerai à Clotilde. Je demanderai à Wanda de m'aider. Tout rentrera dans l'ordre. Qui supporterait le cachot? Les coups et cette humiliation permanente qu'on nous inflige ici. Tu as raison, Crotilde. Partons. Je suis fille de roi. Et fille de roi, je resterai. Nous allons partir à Tours, chez l'évêque Grégoire. Il me nommera la place de l'Aubauvert. Et lorsque je serai mère supérieure de ce monastère, nous y appliquerons notre règle. Ce n'est pas pour prendre le pouvoir que nous devons aller à Tours, mais pour demander justice. Que dis-tu, Wanda? Lorsque ta mère fut enterrée, tu voulais la mort de le Beauvert? Aujourd'hui, tu la défends. Je ne la défends pas. Alors suis-moi. Nous porterons ensemble devant Grégoire les accusations contre le Beauvert. Retournez. Retournez dans vos cellules. Immédiatement. Tu viens avec nous, Wanda. Tu es la fille de Radegonde. Grégoire nous écoutera mieux si tu es parmi nous. Qu'on aille au cellier, aux caves, au dépôt de laine. Qu'on m'amène vêtements, vin, nourriture. Tout ce qu'il faut pour faire le voyage. Je veux qu'on me prépare chariot et chevaux. Que ma litière soit attelée. Et qu'on l'aménage comme elle était aménagée quand je suis arrivée ici. Je veux mes tapis, mon miroir, mes malles et mes coffrets. Toi. Oui, toi.
Tu vas sauter sur un cheval et rejoindre la forêt au triple galop. Tu verras un feu dans une clairière. Autour du feu, tu trouveras des hommes qui, à 7 heures de la nuit, dormiront. Réveille-les. Leur chef s'appelle Corbon. Tu leur connaîtras à son beau visage et à sa moustache. Tu lui diras que Crotilde l'attend. Que Crotilde est entourée de filles qui veulent connaître le monde. Et que mon trésor est intact. Alors, Corbon, mon ami, j'espère que je ne t'ai pas fait trop attendre. Et j'aurais pu attendre 1000 ans si cela avait été nécessaire. J'espère que tu es aussi bon guerrier que vos parleurs. Car nous avons une longue route à parcourir et on ne veut du mal de par le monde. Mais pour ce qui est de se battre, je crois que ma reine m'a vu à l'œuvre. Je t'ai vu massacrer une troupe de vieillards, de femmes et d'enfants sans défense, Corbon. Oh, des juifs, ma reine. Juifs, certes, mais sans défense. Ma reine veut-elle que nous fassions le siège de quelque forteresse? Ou que nous attaquions les armées visigoths? Ta reine veut que tu protèges cette troupe. Ses filles, toutes nonnes et novices. Ses victuailles et ses cochons. Mais jamais je n'ai eu pareil troupeau à conduire. Éclairez-moi. Où le gueux que je suis doit-il emmener ses épouses du Christ? J'ai encore épousé personne, moi. Dieu du ciel. Oh mon Dieu. Reine dans ce monastère, comme tu l'auras été dans la vie. Mais reste. Restez, mes brebis. N'allez pas à la mort. Restez dans le lit douillet que Sainte Radegonde a aménagé pour vous. Pour vous toutes. N'écoutez pas le chant que le diable murmure à vos oreilles. Le diable, tu dis? Si je suis le diable, pourquoi me demandes-tu de rester dans ton monastère? Si je suis celui que tu oses dire, alors ne me retiens pas, chasse-moi. Et ceux et celles qui ont entendu le son de ma voix, ceux et celles qui ont effleuré mon haleine, chasse-les, elles aussi. Il ne sied pas à la mère supérieure que tu es pour quelque temps encore. Il ne sied pas à cette mère si attentionnée de couver sous son aile le malin et les petites du malin. Car celles-ci sont mes filles.
Elles le sont dans le siècle. Et bientôt, elles le seront dans l'église. Je te bandis, Crotilde, fille d'une nonne défroquée et d'un père excommunié. Vous ne le saviez pas? C'est le pape en personne qui a excommunié son père. La porc qui se prenait pour un roi. Il l'a ôté de la communauté des chrétiens. Sa mère s'en était exclue elle-même. Elle était nonne. Elle a offert son ventre aux attouchements du porc. Et vous aussi, je vous maudis, chienne. Toi, Béga, vieille folle. Et toi aussi, Basine. Allez vous coucher sous le membre lubrique des soldats de la mort. Ils vous feront pisser la jouissance dans les feux de l'enfer. Dors. Oh, monsieur. Vas-y, ma mère. Vas-y. Mais tu veux t'aider. Allez. Allez. Alors, es-tu des nôtres, Vanda ? Promets-moi qu'il n'arrivera rien à ces filles. Qu'elles ne mourront ni de faim ni de froid. Et qu'elles ne seront pas livrées à tes soudards ! Si tu veux en être sûre, le mieux c'est encore que tu partes avec nous. La liberté ! C'est la liberté ! Nous sommes libres ! Elles avaient quitté l'arche construite par Sainte Radegonde contre les déluges des passions et contre les orages du monde. Elles avaient violé la clôture sacrée du monastère. Elles partaient. Mais vers quel avenir? Savaient-elles ce qui allait leur arriver, ces pauvres âmes tendres? Oh Dieu, que vergogne! Et c'est à ces guerriers francs, adorateurs d'idoles et d'abominations païennes, qu'au sortir d'une vie de retraite et de paix, elles donnaient leur confiance. Dieu, que l'innocence est parfois bien coupable. C'est quoi cette histoire d'enfant des loups, Vanda? C'est pas une histoire. C'est la vérité. Je suis née d'une femme. Comme toi. D'une reine. Mais c'est une louve qui m'a recueillie après la mort de mes parents. Et qui m'a nourrie. Tu es née d'une reine. Et d'un roi. Un guerrier un. Qui parcourait les steppes qui s'étendent de l'autre côté du Rhin. Très loin. Vers des pays qui n'ont ni début ni fin. Pourquoi tu marches dans la boue, ma sœur? J'ai une belle monture pour toi. Un sacré bourricot. N'aie pas peur, la vieille. On va pas te laisser dans la forêt.
On est des chrétiens, nous autres. C'est pas parce que t'as les jambes un peu tordues. Il a raison, Rati. C'est pas les jambes qui comptent, c'est ce qu'il y a entre. Qu'est-ce qu'il y a? Tais ta gueule, ta gueule. Regarde. Qu'as-tu, Corbon? Tu as avalé ta langue? Ma langue, oui. Oui, je crois que oui. Au fait, ma reine, on a ramassé quelqu'un qui nous suivait. Mes hommes vont le cuisiner un peu pour voir si ce n'est pas le monastère qui nous l'envoie. Et si c'est un de ces foutus traîtres, on va lui faire regretter d'être né avec deux yeux et deux oreilles. Que tes hommes se divertissent, Corbon, et qu'ils viennent nous prévenir si le jeu devient vraiment amusant. Gracieuseté Grégoire, évêque de Tours, va te recevoir, moine. Douleur soudaine, tu m'ôtes la parole. J'ai marché loin de toi et je t'ai oublié. Or, voici qu'un soleil doux comme la flamme d'un brasier a réveillé la terre. C'était toi, c'était le printemps. Tout renaissait, et les arbres et les hommes, tout était rendu à la vie. Mais comment? Comment est-ce possible? J'ai lu tous vos poèmes, moine Fortuna, et j'ai appris par cœur ce que vous destiniez à notre chère Radegonde. Radegonde la Sainte, je suis désolé de vous recevoir ici, dans cette pièce. C'est ma bibliothèque, mais je pensais qu'entre gens de lettres, si vous permettez que je m'octroie ce titre. Monseigneur. Mais dites-moi, mon bon moine, quelle est donc cette affaire qui vous amène et qui semble tant vous préoccuper? Sans doute cet homme qu'ils ont attrapé, non? Quel homme? Oh.
Pourquoi tu nous suivais, hein? À qui tu racontes notre chemin? Pourriture. Je vais t'écorcher vif, moi. C'est-il la mort, la sainte, qui t'envoie? Albin, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe ici? On ne s'amuse plus? On ne s'amuse pas avec mes amis, Crotilde! Vanda. Et puis... Je suis tellement contente que tu sois là. On se quittera plus maintenant. Hein? C'est fait, Alba. Ça y est, c'est fini. Voilà. Ça va, son épaule? Oui. Ce n'est que beaucoup de sang qui s'est durci et qui lui broie les nerfs. J'ai mis un onguent très puissant qui rendrait liquide la pierre elle-même. Mais que font-ils donc dehors? Va. Va voir, Béga. Je reste avec Alba. J'ai peur, Vanda. J'ai peur pour toi. Dors, Albin. Ton frère Romulf m'a appris à manier l'arc et l'épée. Je suis la fille de la louve. Je mords lorsqu'on m'attaque. Si tu veux te distraire, tu n'as qu'à sortir. Je veillerai sur ton ami. Tout, c'est un peu de ma faute s'il est dans cet état-là. Ratier le gueux et de la putain Franck qui m'a porté dans ce monde. Je te fais nonne à ton tour, ami d'Agulf, pour que le malin ne puisse plus entrer dans ta demeure, petite sœur, pour que tu puisses prier sans peur de la tentation, pour que tu n'aies plus à souffrir de ce mauvais diable que ton sorcier de père a planté au bas de ton ventre. Tu vas te la couper. Ah!
tombe du ciel. Pire que la guerre. Les jours du 1er mars de l'an de grâce 589. Exténués, sales, affamés, les malheureuses rebelles arrivaient en vue des murs de cette bonne ville de Tours. Mais elles n'imaginaient pas l'accueil que l'habitant leur avait réservé. C'était des sorcières qu'on attendait. Les prostituées du diable, adultères du Christ. La peur qui courait dans les rues était grande. Et la peur engendrait la violence. Qu'on vomisse tant de haine sur ma personne. Ma fille. Est-ce ainsi qu'on reçoit la fille d'un roi? En l'insultant? En la menaçant du fer et du feu? Personne ici ne vous menace. Qui vous a prévenu de mon arrivée? La voix de notre Seigneur. La voix du Seigneur. Ma fille, comment osez-vous? Savez-vous que je peux vous excommunier sur le champ, vous et vos compagnes? Faites-le, excommuniez-moi, et je vous promets de mettre cette ville à feu et à sang, avant même que vos gardes aient eu le temps de lever le petit doigt. Clotilde, c'est de ma faute. Je n'aurais jamais dû venir. J'aurais dû rester au monastère, auprès de notre bonne Le Beauvert. Notre bonne Le Beauvert, vous dites? Cette fille de rien qui me frappe dans la chapelle du Seigneur? Qui me jette dans la cave?
Cette bonne Le Beauvert? C'est vrai que Mère Le Beauvert est parfois maladroite. Maladroite? Mais c'est une incapable qui a perdu la raison. Une fille qui a levé l'épée contre ceux qui voulaient me soustraire à sa haine. Une pauvre imbécile qui ne respecte rien. Je vous interdis! Vous avez transgressé, en quittant votre monastère, toutes les règles du droit canon. Vous êtes adultère. Le savez-vous bien? Vous êtes adultère pour avoir trompé le Seigneur Jésus. Pour l'avoir quitté après vous être lié à lui et cette loi. Ce lien, ma fille. Le lien sacré du mariage. Nul ne peut le rompre, ni vous, ni moi. Aussi, je ne vois qu'une seule façon de réparer votre incartade. C'est de regagner votre couvent, d'y implorer le pardon de votre mère supérieure et de faire pénitence. C'est un conseil. Le simple conseil d'un pauvre homme de Dieu. Monseigneur, ce n'est pas un conseil que je suis venu chercher auprès de votre auguste personne. Ce n'est pas pour un conseil que j'ai traversé la forêt en souffrant la faim et le froid. Ce n'est pas pour un conseil que j'ai dérangé ce bon pasteur tout occupé à ses brebis. Que puis-je d'autre ? Vous pouvez destituer Sœur Le Beauvert. Et eu égard à mon rang, me nommer mère supérieure à sa place. Jamais. Alors tant pis, je me passerai de vous. Je me passerai de vous tous. Je chasserai la folle et je prendrai sa place. Clotilde ! Ma fille, attention ! Rattrape-la, Wanda. Arrête-la. Elle court à la mort. Pas d'ici. Ils vont te la couper pour de bons dagues. Et la tienne? Ils vont pas te la couper, la tienne? Et ils ont le droit à manger au cochon? Avec moi, mes amis vicieux! Écartez-moi cette tour en vitesse! Gare! C'est un juif. Comment ça, un juif? Il faut que tu m'autorises à entrer dans le monastère. Mais je t'autorise. Mais dis-moi, comment ça, un juif? Ben, c'est un juif. Ils vont revenir, Ramulf. Je leur accorderai ce qu'ils demandent. Je remets mon âme entre les mains de Dieu. Ils peuvent me battre, me torturer. Ils ne pourront plus torturer mon âme.
toucheront pas un seul de vos cheveux, ma mère. Sandra de Gaulle m'aimait. Tout rustre que je suis. Je défendrai son monastère. Moi vivant, pas un de ces soudards ne franchira le porche de ce lieu saint. Romulf. Je vous demande qu'une chose, Mère Le Beauvert. Parle, Romulf. Pardonne à ma fille. Pardonne à Vanda. Je ne sais pas ce qu'elle fait avec ces assassins. Je n'ai rien à pardonner. À Vanda. Romulf. C'est à elle de me pardonner. C'est moi qui étais injuste avec elle. Si injuste. Va, Couloir, va. Défense monastère. Saint Radegon, Dieu du ciel, prie pour toi. Monseigneur, pourquoi force-t-on les jeunes filles à entrer en religion? Clotilde n'est pas rentrée au monastère de son plein gré. C'est une faute de l'avoir obligée à s'écloîtrer. Nous n'y pouvons rien, moine Fortuna. Ce sont les grands de ce monde qui font les choses à leur convenance. Et nous, nous subissons. Certes, monseigneur, certes. Mais pardonnez-moi. Ne pourrions-nous pas rendre les enfants des rois à leur royaume? C'est-à-dire, moine Fortuna. Les chemins de la foi sont mystérieux. Dieu ne révèle pas son visage à tout un chacun. Combien de ces brebis égarées, dont Clotilde était le mauvais berger, sortiraient de l'épreuve purifiées, fortifiées? L'avenir même de la fondation de Sainte Radegonde était menacé. Voilà sorti de la forêt. Tu ne m'as pas beaucoup aidé pendant ce voyage. Grégoire, que tu devais m'aider à convaincre, ne connaît pas le son de ta voix. Tu m'auras fait connaître Albin. Albin est mon frère. Ton frère? Il serait donc né d'une louve, lui aussi? Après avoir été abandonné par un guerrier, hein? Un roi qui parcourait les steppes de l'autre côté du Rhin. Qu'en dis-tu, mon bon ami? Fiche-nous la paix, Clotilde! Que dirais-tu de rester avec moi au monastère, quand je l'aurais pris d'assaut et que j'en serais maîtresse? Tu es savant médecin, à ce qu'on raconte. Tu pourrais remplacer Béga à l'infirmerie. Tu ne toucheras pas au monastère! Ni à Béga, ni à Albin. Ni à Albin? Ni à Albin. Alors reste avec cette fille qui te donnera des loups pour enfants. Des bâtards qui auront le goût du sang et de la fange. Je vais te tuer, Clotilde! Au secours, pardon! Attachez-les!
Viens voir un peu là, toi. Qu'on voit si j'ai raison ou non. Et si Dagulf est vraiment le guerrier franc qu'il se vante d'être. N'aie pas peur. Ça te fera pas mal à ton âge. Qu'est-ce que tu risques? Tu dois bien être excommunié alors qu'il est. Alors quitte à tout perdre, autant perdre ta virginité. Allez hop! Alors quoi, Dagulf, tu fais ça à cheval? Seulement en temps de guerre. Mais pas quand la troupe est au repos. Je n'attendrai pas ici pendant des années, Corbon. Nous n'attendrons pas pendant des années. Pourquoi ne sommes-nous pas déjà au monastère? Mes hommes doivent se reposer. Se reposer? Pourquoi? Pour affronter Vanon et 10 esclaves? Est-ce pour cela que je vous paie pour vous reposer? Demain soir, je veux dormir au monastère. J'en ai assez de cette litière, de la pluie, du froid. J'en ai assez de ces soudards qui braillent à longueur de temps avec ces pauvres imbéciles de nonnes. Qu'est-ce qui se passe ici? Le diable vous fasse toutes griller en enfer! Suffit! Inutile sur cette terre. Esclave vous êtes, esclave vous resterez. À toi. À la tête et pas l'épaule. Allez, rentre dessus, vise à la tête. Tu as mal, Albin? Non, Vanda. J'ai seulement soif. Et un peu mal. Tu crois qu'on va mourir? C'est possible, Vanda. Oui. C'est possible. Pourquoi tu m'as suivie? T'aurais jamais dû me suivre. Jamais. Tu devrais être en Espagne. Tu devrais être avec Moïse, à apprendre la médecine. Ouais. Mais je préfère être avec toi, Vanda. On est comme frères et sœurs, non? On est peut-être même plus que frères et sœurs.
Attends, Albin. Ava? Vanda. Je t'aime, Vanda. Ava. Ava. Tu es venue? Tu me suivais. Tu vas nous sauver, Ava. Nous allons nous quitter encore. Je ne veux pas t'emmener avec moi. Les hommes ont tué ta mère. Je ne veux pas qu'ils te tuent, toi aussi. Reste avec les tiens. Protège-les. Comme tu nous as protégés, Albin et moi. Un jour... un jour, nous nous retrouverons. Tu le sais. Un jour. Lorsque tu auras besoin de moi. Ou que j'aurai besoin de toi. Maintenant, il faut que tu retournes dans la forêt. Il faut que tu t'éloignes des hommes. Tu sais, ils ne sont pas bons pour les loups. Ils ne sont pas bons pour eux-mêmes. Ils ne sont bons pour personne. Ça n'est pas pour tuer qu'un médecin marche sous le soleil. Un médecin
aide à vivre et pas à mourir. Aussi, j'espère que ma machine ne tuera personne. Pourquoi fabriquer un tel engin si c'est pas pour s'en servir? Cet engin doit servir comme une bonne médication. Il doit servir à faire peur. Ma mère rentre immédiatement, il fait froid. Et des hommes arrivent à cheval. Il faut prier, ma mère. La mère supérieure, je la veux vivante. Vous avez entendu? Et si elle se défend? Si elle se défend, assommez-la. Mais ramenez-la vivante. Homme de cordon! Ces portes, Gaulois. Ouvre-le toi-même, Saxon. Je te savais rude, guerrier. Et voilà que tu te prends pour un saint, Gaulois. Est-ce que tu es au courant que ces vierges que tu défends, dès qu'elles passent la porte de leur prison, elles deviennent des putains. Tu veux rentrer dans le monastère, Saxon? Livre-moi Vanda et Albin. Livre-moi ma fille et mon frère. Impossible, Gaulois. Ton petit frère et ta fille pourrissent dans la forêt. Alors qu'il est, ils ont à coup sûr été dévorés par les loups. De ton frère et de ta fille, je ne pourrai même plus te livrer les os. Maïs!
nous désolerait. Moïse. Moïse. Mon père. Reste. 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 Je vais te prendre de compte. Je suis mort combattant. Et maintenant, je vais te prendre de compte. Sainte. Ça, je l'entendrai sa voix. Je l'entendrai pour l'éternité. Moïse arrive. Shema Israël, Adonai Elokeinu, Adonai Echad. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, veniat regnum tuum. Tu volum meum, vaium de tota fonte benedicta, uvi share. Thank you.
Nous savons tous que nous sommes les enfants de Dieu. Nous savons tous que le péché est notre lot. Que celles qui sont couchées se lèvent. Que les autres s'agenouillent. Celles qui sont revenues de leur plein gré feront pénitence. Ma mère. Ma mère. Vous. Vous pouvez partir. Vous pouvez rester aussi. Vous êtes libre. Moine Fortuna. Oh, vous êtes vivante. Dieu a exaucé mon vœu. C'est Romulf le Gaulois qui a donné sa vie pour nous, mon bon moine. Clotilde. J'ai obtenu des Grégoire que tu puisses quitter le monastère. Toi et tes compagnes aussi. Une villa est mise à ta disposition dans le domaine de ton père. Ce sont eux, Saint Radegonde et Romulf, qui vous ont unis. Qu'à leur tour, ils soient à jamais unis dans votre cœur à tous deux.
Louez Dieu, mes enfants, et rendez-lui grâce, puisque de si grandes joies sont parmi nous. Et allez en paix. Rien ne saurait manquer où Moïse vous conduit. Moïse, tu es sûr que c'est la bonne route pour l'Espagne? Moïse en était sûr. Avec un peu de chance et l'aide de l'Éternel, ils y seraient l'année prochaine.